ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin Leforin, enchanté. Je suis ici à New York, plus précisément à Times Square. Alors pourquoi New York, me demanderiez-vous? Non pas pour exporter la foire du midi, bien que ce soit une bonne idée ça. Non, suivez-moi, je vous expliquerai pourquoi. Alors, il y a des années d'ici, j'ai habité à New York pendant un petit temps. Et quand j'avais le cafard de la Belgique et quand Bruxelles me manquait, la foire, enfin tout ce folklore, c'est ici que je venais, au BXL Café. Là, je retrouvais un petit Belgique, on regardait les matchs de foot, on l'enchantait du grand Jojo. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec le patron qui est devenu un bon ami à moi, Yves Michiels. Un vrai bruxellaire comme moi, sauf qu'il est supporter du RBDM. On peut pas tout avoir dans la vie, hein. J'ai apporté la caméra. Bruxelles, bonjour à Bruxelles. Bonjour. Bruxelles, bonjour, ça va? Ça va, quel nouvel? Ouais. Il est toujours là. Toujours là. Maurice Mertens. Celui d'or de quelle année? 1974. 74. Et ça, c'est 2006. Ah ouais? Ça, c'est quand nous, les champions. Ça, c'est quand nous, les champions. FC Bruxelles, New York, avec la coupe. On a la preuve, hein? Ouais. On a des ivrés, peut-être, mais faut pas exagérer. Non, mais ça va, ivrés, pas pour toi, qu'est-ce? Bon, monsieur, là, la Belgique a eu ça quand on a gagné 4-2, je crois. 2-4 ici. C'est toi qui m'as envoyé ça, tout à fait. Il a changé ici, Phil. L'Union, j'ai mis l'Union ici. Ah, t'as mis l'Union. Philibert Smellings. Son fils ou son petit-fils habite ici à New York et il est venu m'apporter ça, mon vieux. Bien, hein? Terrible. Moi, je trouve ça bien, j'aime bien. Alors, ici, est-ce que tu t'aimes bien ou pas ici? Est-ce que j'ai bien mis ça? C'est Bruce Fox, Théo. Bruce Fox, Théo. Donc ta compagnie. S'il te plaît. Bien là. Et tous les rois belges. Et les rois du football. Of course. Lukaku, compagnie. Wilmots. The Mark Wilmots. Après RBDM, après l'Union, Philippe Albert, Anderlecht. Champions League en 1994. Ça, c'est un pays comme un building, ça, Philippe Albert. En fait, c'est le maillot contre Werder Bremen. Bon Yves, la vraie raison pour laquelle je suis ici, je suis très content de te voir et de retour à New York, ça aussi. Mais, depuis que Molenbeek n'a plus d'équipe en première division, c'est très triste à Bruxelles. Dans toutes les premières divisions en fait. Mais, à Bruxelles, on est perdu à Anderlecht. On a perdu comme notre petit frère, comme ça, qu'on sait plus taquiner. On est un peu comme Tintin sans Milou, comme Quick sans Fluke, comme Aznavour sans perruque. Ouais. Ou, Bob sans Bobette. Exactement. Donc je me suis dit, comme maintenant le RBDM est de retour, le RBDM est plus Strombeek, Nivelle, Ternat et Alderman. Ouais, c'est évolué, mais exactement. Je me suis dit, toi ton business va bien ici en New York. J'ai entendu que tu as ouvert un deuxième et un troisième BXL. On peut le dire. Ouais, on peut le dire. Est-ce que ça te dirait pas d'investir un petit peu dans le RBDM pour que le RBDM devienne nouveau le RBDM et en première division, comme ça on sait nous avoir un bon derby bruxellois. Rappelle-toi que tous les supporters du RBDM sont là et t'écoutent. Tu sais quoi? Je sors le chéquier. Il sort le chéquier. Qu'est-ce qu'on va faire? Américain. Bruxellois. Je suis le main sponsor. BXL Café sur tous les shirts. Ça c'est. Écoute, je vais te mettre en contact avec les dirigeants du RBDM. Ça va? On fait ça. C'est une promesse. La main. RBDM Anderlecht. Merci Akit. Merci à toi. Selbst nicht gilt es besicht, nur müsses Ried. Gemotide! C'est vrai, mon figuier mort! Oh! Boule d'or, la cigarette du sportif.